بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد شيخ رئيس الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions Alhamdulillah. Les préférés nous rejoignent ce soir pour nos 113e session questions et réponses à questions de mes frères et mes soeurs depuis Bode, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. On a 16 questions ce soir. Alors, question numéro 1. Assalamu alaikum. Motiena, deux doutes et questions concernant Salat. Première question. Est-ce que quand premier rakat finit commencer et imam finit arrive la moitié sur la Fatiha ou l'infini commence lire un autre surah après Fatiha et mon rat premier takbir et me rentre dans salat qui me roule maintenant? Est-ce qu'il me commence lire doit thana et sur la Fatiha ensuite vite pour me rattraper imam ou lire oui, mon fini Fatiha pour suivre sa récitation de l'autre surah, ou mon comment suivre depuis que l'île arrivée, le moment mon fait takbir. Deuxième question, mon apprendre qui si nous dépasse imam et fait un même step Ali en même temps, salat vient invalide à cause nous supposer suivre et faire après lui concernant récitation sur la Fatiha, est-ce qu'il quand il lit, mon besoin lire ensemble Ali, ayat par ayat, ou mo atan li fini li en ayat, la mo li après li. Alors, quand nous lions la question là, il paraît beaucoup compliqué, façon qui frère la fin, ou soit bien ça c'est la fin, il paraît un frère, fin écrire la question là, alors c'est même qui nous réitère l'appel là, nous dire, tant capable simplifier cette question, écrire bien clair, bien explicite, prends le temps, écrire aux questions. Alors, si qui nous comprend de sa question là, sa frère là, il vient une salat en retard. Quand il rentre dans salat, imam, il déjà fini fait takbir de l'ihram. Imam, il déjà fini commence à sur la Fatiha. Et lui, il finit en retard. Alors, ce qu'il lui vient faire, il commence à suivre imam, depuis que imam, il fait takbir Allahu Akbar. Il attache sur la main. Ensuite, il lire, il suit imam à partir de ce moment là. Et deuxième question, c'est, li peut dire qu'il n'a pas le droit de dépasser imam dans salat, n'a pas le droit de faire une action avant lui, et même dans la lecture de surah Al-Fatiha. Alors ça c'est ce qui nous fait comprendre sa question là. Nous conseille sa prière là. Et tout mon frère est qu'il fait salat dans masjid en jamaat. Alors nous pour répondre sa question là, nous pour essayer de répondre point par point, mais c'est moi un conseil général qui nous donne à mon frère, c'est tout mon monsieur qui fait salat en jamaat dans masjid, pas al en retard masjid, pas rat takbiratul ihram. Un parmi ban signe de l'hypocrisie, c'est un dimon li rat takbiratul ihram. Ban salaf type lave la main, c'est-à-dire, je type évite fréquente ban dimon qui rat takbiratul ihram. C'est un très mauvais habitude. Et, alhamdulillah, là nous dit, on rat takbiratul ihram, on rat un parti sur la Fatiha, ou capable de récupérer lui. Mais c'est lui qui vient et il rate la carte sur salat pour défigurer. Parce qu'il y a un salat de 10 rakat, si on rate un rakat, on peut gagner 2 tachahoud. Quand il y a un seul tachahoud dans un salat de 2 unités. Un salat de 3 rakat, quand on rate un rakat, on peut gagner 3 tachahoud. Ou salat pour changer, il peut venir l'autre modèle, l'autre forme. Alors ça, c'est un service qu'on va dire à l'un rang ou pour remplacer salat. Mais sinon, nous salat les difformés. Et il a dit, quand il trouve ce salat difformé, il vient pour en coller avec Allah tout. Et s'il n'est pas en coller avec Allah, il est en coller avec imam. Imam, on vient en retard, on rate la carte, mais quand on peut guetter, on gagne 3 tachahoud dans la maghrib. Mais c'est là qui entoure, là. Imam là, pas entouré. C'est où qui entoure? Parce qu'il y a un azan qui donne, qui annonce l'air rentrée de la salat. Et un musulman, normalement, il vient une bonne à salat. Parce que là, si tu connais qu'il y en a dans une masjid bonne, et dans un azan, dans le premier saf, je tu peux galoper, je tu peux ramper, je tu peux venir. Alors, si on a envie, comment dire, au salat, il n'est pas défiguré, comment nous dire, il n'est pas pour les autres qualités formes, mais il est une bonne. Un dimanche, tu peux, chez Mohamed Ibn Salah, le Thémin, une question,
concernant Namaz Maghrib. Il y a un cheikh qui a mis Mourat Namaz Maghrib, Mourat Enraka dans Namaz Maghrib. Alors, Moussoala dit fourmé. Il y a trois tachahoud. Mais qui m'a besoin faire? Qui m'a besoin faire? Cheikh Othaymin dit, mais viens Namaz Bonir. Viens Namaz Bonir. Alors, viens Namaz Bonir pour ne pas rentrer dans cette polémique là. Alors, qui nous peut faire quand on vient Namaz en retard? Claire. Fait que, comment dire, mon rat sur la Fatiha au complet. Alors, par exemple, l'opinion qui dit imam se lecture, lit lecture. Alors, ce n'est pas obligation l'auteur, l'obligation liée là pour tomber. Cheikh Othaymin, il dit lire sur la Fatiha, ensuite suivre imam dans ce qui finit après. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu lis tout sur la Fatiha, là, tu suivis dans l'action qu'il peut faire. C'est-à-dire que s'il peut lire le surah, là, tu commences à suivre dans le surah. C'est moi, tu finis lire tout sur la Fatiha. Alors, ce qu'on nous finit dire, c'est un masala de divergence, lire sur la Fatiha ou pas. Derrière imam, chaque musulli, besoin de lire ce sur la Fatiha, derrière imam, ou soit lecture imam lui suffit. Alors, c'est dans l'opinion, un qui dit lecture imam lui suffit, deuxième l'opinion dit non, c'est tout sur la Fatiha, chacun besoin de lire ce sur la Fatiha. Alors, c'est lui qui le sait l'opinion là, alhamdulillah, c'est lui qui le sait l'opinion là, si, alhamdulillah. Alors, lire sur la Fatiha, ensuite suivre imam, dans ce qui vient après, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit. Obada ibn Samid dit, ne t'y pas derrière Rasulullah, dans Salat Fajr, Rasulullah finit faire la lecture et ça finit difficile pour lui. Ça finit difficile pour lui qui fait. Quand il finit terminer, il finit dire peut-être qu'ils ont lire, ils ont aussi pas lire, ils ont imam. Alors il finit dire oui, Rasulullah nous aussi nous lire. C'est qui finit difficile le Rasulullah, il peut tant mal à murmurer pas derrière et lui, il peut faire la lecture par devant. Alors ça finit difficile pour lui concentrer dans sa lecture. Alors il finit dire oui, Rasulullah nous lire. Alors il finit dire pas faire ça. Sauf pour Fatihatul Kitab, car pas une salade pour celui qui parle lire sur Fatihatul Kitab. C'est-à-dire, juste sur la Fatiha, je lis, et pas récite derrière moi, ben les autres surahs qui m'ont récité. Cheikh Ibn Baz, il dit, si imam, pas garde un silence, après la lecture de sur la Fatiha, le ma'moum, bien lire sur la Fatiha pendant qu'imam peut lire. C'est-à-dire, imam, quand il dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aussi, ou dire, un petit moment après lui, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Doucement, pour tu sais, autant dit. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il lit sur la Al-Fatiha pendant qu'imam peut lire, parce qu'il y a un sahaba qui peut lire ensemble avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas de passe au imam, fait action qu'il peut faire, et arrête une namaz en retard pour sortir de ce problème là. Alors, ou pas qu'il y a une namaz en retard, ensuite, ou blâme X, Y, Z. Il y a parce qu'il y a une lire qui a azan donné, il y a une lire qui namaz commencé, et comment nous finir dire, parmi caractéristiques soit là des hypocrites, c'est que tu peux venir namaz en retard, rat tagbir al-ihram, et pour soit là pas diffamer, donc vin bonheur masjid. Et, Cheikh Othaymin, lui dire, voilà, ça c'est, parole de Cheikh Othaymin, lire sur la Fatiha pendant qu'imam peut lire, parce qu'il y a un sahaba, tu peux lire ensemble avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai besoin d'un conseil, inshallah. L'année prochaine, il y a une possibilité pour moi de faire Hajj d'après numéro ICC. Moi, il y a deux garçons, un 17 ans et un 16 ans. Inshallah, moi, pour un 11 ans, pour seulement trois personnes pour faire Hajj. Moi, mon monsieur et un de ces deux garçons-là. Moi, j'ai envie de connaître est-ce qu'il est trop bonheur pour mes deux enfants de 16 à 17 ans pour faire Hajj et plus tard, je t'amène Ali, je t'amène madame ensemble avec vous. Sinon, vous pouvez économiser maximum pour me capable d'amener sa troisième garçon-là qui vous conseille moi, jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, il est obligatoire, le mukallaf. Le mukallaf, qui s'en a ça? Le mukallaf, c'est celui qui finit une balir, il finit une majeur, il finit atteindre l'âge de puberté, qu'il soit un garçon, qu'il soit un tifi, il appelle ça un mukallaf. C'est-à-dire, l'islam appliqué l'oli. La loi islamique commence à appliquer l'oli. Alors, l'obligatoire, le mukallaf, dans l'immédiat, s'il y a une capacité, basé sur l'ayat Quran, que Allah dit dans surah Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Alors, Cheikh, l'obligatoire, c'est un djimoun, il y a une capacité, il gagne l'argent pour le faire, il est obligatoire pour le faire. Cheikh Nouba, il dit encore, c'est lui qui a une capacité pour accomplir Hajj. Mais il n'est pas accompli, il n'est pas accompli, lui. Et il retarde sans aucune raison valable, il fait certainement commettre un grand le mal et un grand péché. Il vient faire tauba pour ça et il précipite pour le faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plume finit enlevée depuis trois personnes. Une personne qui peut dormir jusqu'à qu'il est levé, un enfant jusqu'à qu'il atteigne l'âge de puberté et un fou jusqu'à qu'il gagne
seul esprit. Alors, un point, une condition pour Hajj vin obligatoire, c'est la puberté. Et au ban garçon, Alhamdoulilah, je suis vin majeur. Et un enfant de 16 à 17 ans n'est plus considéré comme un enfant, ni considéré comme un adulte, d'après la charia. Tout ce ban obligation appliquée l'oli, même Hajj, s'il y en a moyen et capacité. Donc, on peut dire, on a moyen pour trois. Il y a quatre du monde qui peuvent faire Hajj. On a moyen juste pour trois. Et on vient économiser pour quand même notre Allah. Donc, économiser, payer Allah. Et économiser, faire bon niyat Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir au chemin. Et il n'y a pas pour Zoli, comment dire, au tout à quatre du monde dans la famille, maman, papa, un garçon, puis aller un là pour rester. Alors, ça qui va affecter lui, il va rendre un trauma. Alors, faire un effort, faire un sacrifice, amène lui aussi ensemble. Et d'ailleurs, si, comment dire, au numéro, une sortie pour l'année prochaine, votre cas, votre numéro, une sortie, alors, meilleur, ensemble, prends lui, ensemble, allez, ça les meilleur. Parce que nous ne connaissons pas l'année prochaine qui est capable, et là, et qui empêchement encore capable, et vous pouvez dire, ou capable économiser, ou capable faire doublement, triplement d'efforts, ou bien juste augmente aux efforts pour économiser, pour sa quatrième personne là, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, les exot, inshallah, faire bon niyat, ou trouver Allah pour ouvrir au chemin. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a un djimon, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un djimon s'il y avait l'appareil auditif, quand faire wudu, bien tirer, ou capable faire ma salou là? L'appareil auditif, c'est un appareil qui a un djimoun, il met dans ses oreilles, il ployait une façon comme ça, après il rentre dans ses oreilles. Alors, cher Sol, il faut en dire, il bizin retire sur l'appareil auditif, il fait un massa l'eau ses oreilles, ensuite il remet. C'est-à-dire, nous comptons très bien, les oreilles nous font un massa. Si moi, l'appareil auditif dans mes oreilles, moi, vous êtes tiré. Alors, ça, c'est ce que cher faut en dire. Si il n'est pas capable de tirer, il fait, comment dire, façon qu'il y a une place là, il est difficile pour tirer à chaque fois. Alors, si ça pour faire aller du tout, quand pour retirer, alors, il est capable de faire massa à l'intérieur de ses oreilles, et il essuie seulement à l'extérieur, basant le ayat, que Allah dit, Allah, il faut l'en ouvrir, il a aussi. C'est pas capable de tirer, alhamdulillah, il fait massa comme il est capable, pas un problème. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication façon de faire un manger en famille? Zizban proche. C'est-à-dire, pour un beau-frère, pour un belle-sœur, est-ce qu'il est capable d'assiser dans une seule la table manger, ou bien les bisins, chacun son tour, madame mange avant, après monsieur, ou vice-versa. Alors, ça, Cheikh Ibn Bar, il dit, il n'est pas permissible pour une madame assise ensemble avec un monsieur qui n'est pas mahram pour lui. Il n'est pas permissible pour une madame assise avec un monsieur qui n'est pas mahram pour lui. C'est-à-dire, dans une seule la salle, nous tous assiser monsieur, madame ensemble, il n'a qui mahram, il n'a pas mahram, ou soit l'un seul la table, il n'a mahram, il n'a pas mahram. Cheikh Ibn Bar dit, pas un droit, il haram ça. Et puis, il y a d'autres, il comme ça. Ben, madame, il est assise d'un côté, loin de la table séparée, ou soit, ben, monsieur assis loin de la table séparée, dans sa façon-là. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, il dit, met ben, madame assise entre eux, et eux, ben, monsieur assise entre eux, donc, dans sa façon-là, fait-elle dans sa façon-là, et semaine passée, nous t'y causons, ou soit, semaine avant, nous t'y causons un peu, une question un peu semblable à ça, concernant la mixité qui certaines servit comme prétexte dans ma cas, la mixité, dans ma zine, la mixité, etc., etc., dans, etc. Alors, ce que tu fais, dans mariage, dans man get together, pas capable, et là, mixité, nous, tu réponds en long et en large. Alors, mais ça, les bonnes questions concernant un get together familial, que tu peux avoir un non-mahram, ensemble avec un mahram, alors, ça peut, amener un préjudice. Donc, les meilleurs, ben, madame reste un côté, ben, monsieur reste un côté. Excepté si ben, monsieur, madame, là, c'est tout mahram. Fait, comment dire, il a dit, frère, c'est papa, c'est à ce garçon, ban kala, ban neve, dans sa façon là, alhamdulillah, et ban tcha-tcha, et ban, quand nous guettons dans l'ensemble, nous vous trouvez qu'ils ont tout mahram, puis il n'y a aucun problème, Agnès, y'a si avec ce tcha-tcha, il mangeait, Agnès, y'a si avec son mamou, il mangeait, mais c'est moi, ce kalou, pour pas savoir, c'est pas mahram. Donc, nous faisons étudier kala, s'ils ont tout mahram, ok, alhamdulillah, non, c'est loin, c'est la table, nous mangeait. Non, c'est loin, c'est la table, nous mangeait parce qu'il nous mangeait. Mais si, une fois qu'il n'a pas non mahram, nous pas vous gagner droit assis dans même la table, ni même la chambre, pour nous manger, nous évite ça, façon de faire. Question numéro 5, assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit mettre notice board en dans masjid? Ben, les affaires concernant masjid, concernant meeting, ben, les statements, tout ça là. Alors, ça ferait là, puis demander, est-ce qu'il gagne droit mettre un notice board dans masjid pour mettre ben, annonce l'eau là? Il nous donne l'exemple, ben, les affaires concernant masjid, concernant, ben, meeting, qui pourrait y avoir pour masjid, et ben, statement, tout ça là.
Alors, mettre ban affiche et ban annonce à l'intérieur masjid concernant ban kit chose dunya li haram li pas permissible. Bon, regardez. Mettre ban annonce, le notice board qui trouve à l'intérieur masjid et sa ban annonce li concerne dunya li pas concerne masjid haram li pas permissible. C'est ça, il faut en dire, visez pas prendre masjid comme une place pour mettre ban annonce. Quant à appendant ça en dio masjid, c'est-à-dire pour dire ban annonce dunyawi matériel. Alors, quand tu as mis li, appendant li en dio masjid, mettre un tableau en dio masjid, le mirai masjid de haut, alors, il n'y a aucun empêchement là-dedans. Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Surtout concernant faire publicité, ban mensongise et nouvelle maillette. Claire? Ou vous trouvez un notice board dans masjid en dedans qui met annonce maillette là. Pas gain droit. Pas gain droit. Nous mettons des hauts. Nous mettons des hauts. Les là, nous ne créons une nouvelle maillette ou soit Nika Intel pour une, ça va annoncer. Il n'y a pas concerné masjid, ça. Il n'y a pas concerné ibadat masjid. Quand nous peut dire, il n'y a pas concerné masjid, c'est, il n'y a pas concerné man ibadat qui fait dans masjid. Par exemple, si, comment allez-vous venir, Inch'Allah, ban, Cheikh Ibn Baz, Othaymin, et tout ban ulama qui siégeait dans Baud, fatwa, je dire, bizet pas mettre un tableau. Allez, intérieur masjid pour écrire l'oula. Annonce concernant l'amour et ban qui se pareil. Allez, intérieur masjid, pas gain droit mettre un tableau pour faire annonce maillette, etc., etc. Parce que masjid pas fin être construit pour ça. Masjid fin être construit comme Allah fin dire dans Surah Nour. Fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Alors, masjid, ce rôle, c'est ibadat Allah. Annonce maillet, annonce nika, ça, van qui soit pas concerne masjid, ça. Pas fait dans masjid, ça. Ça, li concerne, li pas concerne ibadat de masjid. Donc, mettez-li en déo, pas de problème, mais en dans masjid, donc. Et, ben, ulama qui siégeait dans le comité fatwa, je dis encore, pas gagner droit ni acheter, et ni mettre annonce concernant ban l'article dans la salle qui vient réserver pour salat. Alors, si vous trouvez, et une fois dans masjid, le tableau masjid, mettez, et n'a quelque part courbanine, resté courbanine intel, c'est lui qui est intéressé, contacter imam, ou soit contacter mutawalli. Pas gain droit. Haram, pas gain droit. Mettez-le en dehors masjid. Mettez-le dans le tableau qui trouve le mirail en dehors masjid, mais pas dans masjid. Quant à annonce concernant ban leçon, ban causerie, ou ban quitte chose concernant din, ou soit concernant masjid directement, ça l'est permissible. Cher Zemine, c'est questionné concernant mettre ban annonce dans masjid tel comme ban annonce concernant ban compagnie Umrah et Hajj. Alors, vous trouvez un bail, Moussali dans masjid, il organise Umrah Hajj. Alors, quand il peut organiser Umrah Hajj, prend cela fiscal dans masjid en dehors. Pas qu'il y a un droit haram. Parce qu'il fait, il n'y a pas concernant masjid, ça. Et ban causerie ou ban leçon générale. Les fins répondent, quand t'as ban annonce concernant l'obéissance à Allah, pena aucun problème. Quand l'obéissance les rapproche avec Allah, et ben, masjid finit construit pour obéir à Allah. Tandis, moi, mon pays organise Umrah, mon alguet mutawalli masjid, parce que moi, je me salis dans masjid, moi, alors, je me dis, ni mettez un annonce, moi, le tableau masjid, en deux masjid, qui trouve à l'intérieur bâtiment masjid. Clair? Alors, à cause de Moussali, là, vous avez mis ça pour nous, pas gagner droit. Parce qu'il n'est pas concerné masjid, ça. Parce que quand on peut travailler, ou pour gagner casse avec ça, ou, il n'est pas pour venir dans pause masjid, il peut venir pour, alors, on met l'idée. Déo gagne droit, déo gagne droit, mais en damasit pas, pas gagne droit. Et en ce qui concerne man qui soit dounia, ça n'est pas permissible, mais capable de mettre l'eau mirail en déo masjid, comme ma chère, Mohamed Ibn Soler, le féminin dit, ban compagnie Hajj, et que c'est concernant dounia, Umrah aussi c'est concernant dounia, nous pas trouve qui gagne droit, mais zut annonce dans masjid, ban cercle de vikr, tel comme ban daura éducatif, ban cercle éducatif, c'est purement ce qui est bon. Alors, ce n'est pas un problème si mettre sur annonce à l'intérieur masjid, causerie ce soir, vendredi, pour tel orateur, tel titre, ça, il concerne masjid. Alors, ça, quand vous mettez en dehors, en dehors masjid, pas un problème, mais pas, ben, affaires d'unia, pas mettre en dehors masjid, en dehors masjid. Donc, à part ce qui concerne din, les meilleurs nous mettent tous les autres annonces en dehors masjid. À part din, à part programme masjid, à part ben, activité masjid, clair, les restes tout programme dehors. Le reste, tout, annonce, fait des hauts, maillettes, mariages, etc. Tout fait des hauts. Wallahu alam. Question numéro 6, assalamu alaikum. Une madame se dit le barbe long. Et quand il marche, il frotte le chemin. Est-ce qu'il est capable de faire salat avec ça? Nous tiens les mots frotter pour comprendre, il traîne. C'est-à-dire, une madame qui met long le barbe et il traîne le chemin. Est-ce qu'il gagnera faire salat avec ça? Alors, normalement, une petite chose qui est importante pour connaître, c'est qui longueur d'ilbab en madame bizaïti? Qui longueur
Jilbab and madame bizante. Nous pas because jilbab uniforme qui nous mantifie mettre à l'école là. Nous pas because jilbab qui comment dire la mode qui nous mansure mettez malheureusement. Nous pas because ça. Nous pas because jilbab qui Allah il mentionné dans le Coran. Hein? Nous pas because jilbab qui Allah il mentionné dans le Coran. Qui longue est supposé être. Alors le prophète fin enseigne ben madame pour les autres jilbab dépasse autres sévis, dépasse sévis ou sévis pas rien droit trouver. Clair? Et nous dire minimum, c'est l'islam aura ou talon. Aura ou talon. Mais, maximum, qui l'islam indien, dit le bas, bizan été, alors, il bizan couvert les pieds, longueur, et il bizan traîner longueur un coudé. Longueur un coudé, c'est ça. Alors, je pense, un djilbab islamique, d'après Coran et Sunna, il bizan traîner un coudé. Il bizan traîner un coudé. Clair? Sinon, comment nous dire minimum, il bizan arrive au talon, un petit guit en bas au talon, tu lui traînes un petit guit, pas de problème. Mais, vrai djilbab, l'ibiza traîne un coudé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va rapporter par Ibn Umar, il dit, c'est lui qui traîne ce linge avec l'arrogance, c'est lui qui traîne ce linge avec l'arrogance, alors, mais pour nous excuser pour sa interruption là, on a un petit problème avec. Ok. Voilà. C'est résolu, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alors, Ibn Umar, il dit, Rasulullah, il dit, c'est lui qui traîne ce linge avec l'arrogance. Allah, pas pour guetlis ou kayamat. Il fait référence à un homme là. Un homme, ce linge, pas gagné droit de passer ses vies. Alors, Oum Salama, si la banne, il demandait, comment est-ce qu'il va, madame, pour faire avec cet habillement pas en bas? Il y a un pire, parce qu'il veut dire, celui qui se laisse traîne en bas de chez lui, Allah va briller les oukayamat. Là, il fait une réponse, il fait dire, je te laisse-lui tomber pas un pas. C'est-à-dire, un madame, non, pour lui, il laisse-lui tomber pas un pas. C'est un pas. Oum Salama, il veut dire, ben, je te les pieds pour découvrir. Guette bien là, un pas traîné, il peut gagner un tracas, les pieds pour découvrir. Là, les prophètes font une réponse, font dire, je te laisse tomber pas un coudé. Sa longueur là, ça s'appelle un coudé. Et je pas laisse plus que ça. Je pas laisse traîner plus qu'un coudé. Hadith, il y a un terminé. Alors, il y a un doute qui pour arriver, qui se dit le bas pour traîner. Il vous faut le chemin. Mais connaît, qui la terre en lui-même, il y a une matière de purification. Claire, comme il mentionnait dans Hadith qui vous venez, si ici, il fait une malpropreté, la terre divine pour purifier. Rasulullah dit, si quelqu'un pour mes autres fait une crasse malpropreté avec ce soulier, la terre c'est une matière de purification pour lui. Donc si un vêtement fait une gagne la terre là-dedans, ça n'est pas être considéré comme malpropreté qui fait une gagne là-dedans. Et il n'est pas même, il n'est pas empêché un djimoun de faire solat avec ça. Dans le cas si madame là fait une arrivée mort sur une petite chose impure, malpropre, il suffit qu'après ça, il passe dans un chemin qui est la terre propre. Et ça, il peut purifier ce vêtement, comme a rapporté par Oum Walad, il dit, une madame fin demande Oum Salama. Mon madame, moi une madame qui me laisse pour des yeux longs, il traîne. Et moi arrivé, mort sur le banc de place mal propre. Oum Salama fin dit, le messager d'Allah fin dit, c'est qu'il vient après l'ila pour purifier. C'est-à-dire, quand il continue à marcher, la terre après pour purifier avant, c'est qu'il vient mal propre là-dedans. Rapporté par Abou Moussa, il dit, et madame depuis Banu Abdel Ash'al, fin dit, Ya Rasulallah, nous ayons un chemin jusqu'à Mazid qui sale. Comment nous pouvons faire quand la pluie tombe? Et vous voyez, fin dit, est-ce qu'après ça, pas un chemin qui est plus propre qu'il est? Ça, madame, fin dit, bien sûr. Il fin dit, ça chemin là, pour l'autre chemin là. Ça chemin là, il peut être purifié par l'autre chemin là. Ça chemin qui est un passé côté là, qui est humide ou soit sale. Ça chemin plus devant là, il pour purifier ça ici là. Alors, mais si il y a une gros malpropreté, qui même la TSI pas pour enlever, ça l'est là, bien sens, sans ça l'est là, pas pour gagner droit, faire solat avec sa qualité l'aise. Donc, un l'aise, djilbab, un madame, il est supposé traîner un coudé. Si pas qu'à un coudé, un chible. Si pas capable, mais il arrive au ras talon, et disons, nous disons, il traîner pas un pouce, deux pouces quand même, pour lui pas trop ça. Se lipier, parce qu'un madame, se lipier aura. Fais très attention. Ça m'a dit le bab qui mettait, comment dire, sur trois corps là. Fais très attention avec ça, manusia.
ou tous des hauts, et une fois où les pieds peuvent trouver, clair, faire très attention, c'est haram, pas gain droit ça. Pas gain droit. Question numéro 7. Assalamu alaikum, une question attachée avec sutra. Si je veux faire salat, et frère devant moi là, les déplacer, les aller. C'est-à-dire, moi, tu prends un dimon comme sutra, clair, et je peux faire salat, les bouger, y aller. Qui m'a supposé faire? Reste même place que moi, tu ou soit déplacer à l'impé par devant, jusqu'à ce qu'il m'a gagné un autre sutra, pendant mon salat même. Et si bizin bouge devant, comment faire lui? Combien il step et qui les pieds bizin bouge avant? Jazakallahu khair. Alors, réponse à sa question, on dit, si nous payons, si nous n'avons pour remplacer un rakat, après qu'imam il fait salam, et si il y a un frère devant nous, ou bien un miraille ou ce semblable, nous prenons comme sutra. Clair? Mais si il n'y a rien devant nous, ou bien frère qui est devant nous la fin aller, dans ce cas-là, nous bouge un tigit, si bizin, pour prendre nos propres sutra. Abodé par Ibn Abbas, il dit à des prophètes, tu peux faire salat, un mouton fin vine pour traverser devant lui. Les prophètes finissent en pesli vers Qibla, jusqu'à qu'il fin colle sauvante avec Qibla. C'est-à-dire, il colle avec Mirail, alors ce mouton-là fin traverse pas derrière, parce qu'il n'y a pas de place pour traverser devant lui. Imam Malik lui dit, celui qui peut compléter ce salat, après qu'imam fin fait salam, pas il n'a rien de mal s'il y a le vert colonne qui prie avec lui. Et pas nécessairement, il existe devant lui, il n'est pas à côté, il bouge et aller. Il est dans ce droite ou bien dans ce gauche. Il n'est pas devant lui, ou dans ce côté droite, ou dans ce côté gauche. Ou pas derrière, il y a droit reculé, prend ce sutra. Clair? En reculant, alors il y a un petit peu, il prend sa colonne-là comme ce sutra, s'il y prie. Mais s'il est loin, il reste dans sa place, et il repousse tout le monde qui passe devant lui quand c'était qu'il est capable. S'il est trop loin, ce sutra, il reste en place. Mais s'il est prêt, il bouge. Ibn Rushd le dit, quand il déboute pour remplacer salat, qu'il est fin raté, si il a un poteau prêt avec lui, il marche vers ça, et ça vient ce sutra dans les restes de salat. Si il n'a aucun poteau prêt avec lui, il fait ce salat comme il était, et il repousse tout le monde qui traverse dans, devant lui, quantité qui est capable. Donc, nous estimons distance de nos sutras. S'il est trop loin, sutra là, nous disons pas marcher. S'il est prêt, alors, ou bouger. Soit il est dans droite, ou bouger, ou dans droite, il est dans gauche, ou bouger, ou dans gauche, il est pas derrière, ou reculer, ou pas derrière, s'il est pas devant, alhamdulillah, ou elle pas devant. Alors, par exemple, pour prendre Mirail qui est devant nous, comme ce temps, nous visons faire 5 pas. Et pour prendre colonne à côté, nous, comme ce temps, nous visons faire seulement des pas. Qui nous fait? Nous visons mesurer. C'est qu'on dit, pour, tant que capable, nous visons éviter de banne pas. Nous avons le droit de faire pas. Nous avons le droit de marcher. Clair? Mais c'est moi, nous visons guider distance. Si ça se trouve devant moi là, il vous coûte moins 10 pas. Et à côté moi là, il vous coûte moins 2 pas. Moi, je bouge moi là, à côté moi là. Si pas derrière là, il coûte moins un seul pas, bon, réquilez mal, mal pas derrière. Gagne droit, puis il n'a aucun problème. Comment on va finir expliquer. Mais s'il est trop loin, nous restons en place. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit servi épouvantail, escarcro d'implantation pour repousser les oiseaux? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. C'est une espèce de ban statique comme ça, qui va en faire avec la toile, avec plastique, mettre un sapeau sur la tête, et va en placer dans mon champ. Côté une implantation pour pousser les oiseaux. Les oiseaux qui ont venu pour quoi du monde ça, ou sur les animaux quoi du monde ça, c'est aller au pavillon de sa plantation là. Alors, il y a certaines paroles qui disent qu'il est permissible de servir ça épouvantail là, d'implantation, mais nous, il y a simplement pour pas mettre l'igier au lit. Hein, si nous mettons la tête au lit, pas mettre l'igier, et pas mettre pas l'uniforme en figure. Hein? Parce que d'après Ban Ulama, quand un petit chose lit dans forme une créature qui a la vie, si nous tire sur la tête, il y a une défigure, il n'est plus considéré comme imitation de la création d'Allah. Wallahu alam. À côté par Ibn Abbas, la tête d'un portrait, si nous capables, nous coupe sur la tête, il n'est pas un portrait. C'est-à-dire, nous défigure. Par exemple, une poupette dans la case, un enfant contre une poupette, ne tire sur figure, alhamdulillah. Tire sur figure, même ma nounous, nous nous en répondons là. Tire sur figure, c'est-à-dire, tire sur lisier, tire sur néné, tire sur la bouche, alhamdulillah, capable. Avec. Donc, mettre sa main épouvantail là, dans mon carreau, dans mon champ de plantation, net, tierce, pas, mais pas donner l'idée. Et ça, c'est ceux qui fabriquent. Et là, du monde, il prend, et ben, ceux qui déjà fabriqués, ils déjà n'a figuier, ils viennent, ils mettent là. Alors, c'est des figuier, ils tirent, ils, ou soit enveloppe figuier là, cachette sur l'idée. Et dans sa façon là, ils permissent, ils n'ont aucun problème. Assalamu alaikum, question numéro 9. Est-ce qu'il est halal? Servi la crème qui est na essence escargot pour ban problème la peau? Est-ce qu'il est halal, servi,
la crème qui est une essence, c'est-à-dire il y a un produit qui est dérivé depuis l'escargot pour un problème dermatologique. Alors, d'après la science, nous trouvons pas un meilleur médicament qui servit pour un problème la peau dermatologue, c'est un produit qui sortit depuis l'escargot. Alors, nous résumons sa question à nous dire, clair? Première question, c'est qui nous a connu, est-ce qu'il est escargot, bien sûr, halal ou bien haram? Est-ce qu'il est escargot, ou pas, comment on appelle ça? Bien sûr, halal ou bien haram? Alors, d'après ben ulama, quand nous étudions, nous pouvons trouver qui est escargot, bien sûr, qui est halal. Puis là, non, il est haram donné. À cette autre question, c'est, quand on veut dire halal, on va le manger, moi. Si vous pas qu'à manger, pas manger. Mais c'est moi, est-ce qu'il est halal, il est impur? Non, il n'est pas ça. Il n'est pas ça du tout. Alors, basant l'eau là, l'effet qu'il y a une kitsou qui est halal, il n'est pas impur. Donc, ban kitsou qui sortit depuis la dent. Ban liquide qu'ils ont tiré, ou soit ban matière, ban l'essence qu'ils ont tiré depuis la dent pour mettre dans ban médicament, l'IPMICIT, puis il n'y a aucun problème dans CRVLI, l'eau, dans ban problème, la peau, et comment ban olama fin expliquer. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Une madame qui a un premier talak, et il n'est pas résident, son monsieur sur la case, est-ce qu'il monsieur là besoin d'un lit sur dépense? Si oui, combien besoin d'un lit par mois? Clair? Alors, une madame qui finit gain premier talak, il besoin reste dans la case son monsieur. Malheureusement, aujourd'hui, comment une madame gagne talak, premier chose qu'il fait, il téléphone ses parents, il téléphone son mon frère, ben, il vient prendre y aller. Clair? En d'autres mots, il peut dire, tu connais Allah, toi, tu ne prescris la loi, comment observe Ida après talak, moi, oui, ça, une gros merde, moi, pour le faire, c'est qui m'a l'esprit, dis-moi. Malheureusement, c'est comme ça. Normalement, quand une madame gagne premier talak, ou soit elle gagne deuxième talak, son idée de talak, il fait dans la case au monsieur. Parce qu'il fait, Allah qui ne préconise comme ça, il fait idée dans la case au monsieur, comment Allah dit, afin qu'il, comment dire, il y a une réconciliation entre eux. C'est-à-dire, pendant trois haies, trois menstruations, ou soit, pendant durée, son idée, monsieur là trouve madame là, madame là trouve monsieur là, peut-être, ré l'amour, capable, déclencher et se retourner ensemble. À cause de ça, ça c'est sans cesse fait il date dans la case ou monsieur. Donc premier talak et deuxième talak, pas troisième talak, hein. Le premier talak et deuxième talak. C'est lui qui pas peut comprendre premier talak, deuxième talak, il date pas il date. Malheureusement, dimoun pas intéressé qu'on le système des talak. Alhamdulillah, nous ne fait laissons l'eau là dans période confinement ou soit post confinement ou soit après nous pas rappelle exactement dans confinement ou soit post confinement. Les systèmes des talak ont complet dans l'islam. Les systèmes des talak ont complet, nous l'expliquer. Donc, c'est lui qui t'in suit, les sons, lui, pour comprendre, qui veut dire, premier talak, il date, deuxième talak, il date, troisième talak, il date la case papa. Il vous comprend ça bien. Donc, nous dire, une madame qui vient un premier talak, quand il est supposé faire, il date dans la case au monsieur. Dans la case, son monsieur, monsieur n'a pas gagné droit de s'y aller, et madame n'a pas gagné droit de quitter la case aller. Il date faire dans la case de au monsieur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dire, et quand il fait idda dans la case au monsieur, tout dépense l'île au monsieur là. C'est-à-dire, il est en cause au madame. Zis, comment gagne talak, on n'y a pas cassé lui. Gagne talak, il est encore dans le nika. Quand idda terminé, il est là qu'il n'y a pas cassé. Ça, c'est une question qui nous vient comprendre. Donc, pendant sa période idda là, tout dépense l'île au monsieur là. Ah, ça, si madame là, elle est là-bas. Claire? Mais, nous ne pouvons pas fausse monsieur là pour faire dépense au lit. À ce y'a là-bas, y'a le risque de ce moment, papa, y'a le téléphone, bill courant, bill CB, ban utility bill ici. Mais il pas make sense. Reste dans la case au monsieur, et là, tout dépense, comment tu veux faire avant ta là, tout dépense continue pareil. Ou malade, il besoin de nous docteur. Si vous avez un surgery, il coûte 400 000 roupies, il besoin de dépenser l'eau. Claire? Besoin de vous l'en, claire, ou malade pendant il date, besoin de vous l'en, il coûte 1,5 million roupies, il besoin de dépenser l'eau. Alors, je comprends. Parce qu'il y a encore sur madame. Il dette quand il est miné, là, qu'il n'y a cassé. Alors, souvent, je me demande combien on a resté la case au papa. Assez, on peut dire, pour moi, combien il vous envoie. Mais ça, difficile pour faire un miché comprendre ça aujourd'hui. Mais il gagne dans la case au maman, son papa. Il n'est pas supposé faire il dette ici. Tu es supposé faire il dette dans la case de miché aussi. Alors, faire il dette ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la tukhrijou hunna min buyoutihinna. Oh, ban miché, pas tchia ban là depuis de la case, après talar. Pas tchia ban là depuis de la case. Illa en yatina bi fahishatin mubayina. Excepté, si, comment dire, il fait une comète zina, un grand péché au clair, il a un yatina bi fahishatin mubayina. Wa tilka hudud Allah, ça c'est limite Allah. Wa man yata'adda hudud Allah, faqad zalama nafsa. C'est lui qui transgresse limite Allah, li fin fait zulm.
La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ça, ça c'est qui fait iddat dans la case Michel. Qui Allah dit? À travers iddat, tu pas connu qui peut-être Allah pour faire un nouveau qui chose arriver. Il redéclenche un étincelle l'amour et se réconcilier. Se réconcilier. Alors, à cause ça qui iddat fait dans la case Michel. Le premier talak et le deuxième talak. Rien. Alors, il y a beaucoup de preuves encore, mon frère et mon soeur, que mon ulama fait une cause concernant ça, et ayat Qurana, il suffit. Alors, il y a une divergence, comme l'imam al-Baraoui le dit, l'Ola, pour un mon savant, qu'il y a une madame qui, dans son iddat après talak, raj'i, les mérites qui sont mis dépense l'Oli, et béhazli, même qui mis là un homme libre, ou soit un homme esclave, et même si, qui madame là, il y a une femme libre, ou soit une femme esclave. Peu importe. Mis là, vous oubliez, dépense l'Oli. Mais seulement, on a le reste la case de maman, pas difficile pour le dire, monsieur, mais dépense l'eau. Difficile pour le dire, il dépense l'eau. Malgré qu'il m'a dit d'une façon, il faisait dépenser. Mais c'est moi, on a le reste la case ou maman, ou même on fait rien, ou supposé, parce qu'il date dans la case, dire au monsieur. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire doigt comme ça? Nous faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut wasilat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de Shifa et Kamil à un tel. Est-ce qu'il y a un droit de faire doigt comme ça? Nous faire doua avec Allah par wasilat Rasulullah d'un shifa un tel. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ça, c'est un peu le wasila. Alors, ce qu'on est, doua par wasila de man bon dimoun, il y a un qui permissible, il y a un qui haram, qui pas permissible. Je dire, passe par wasilat pour faire doua. Ya Allah, mon peut demander par wasilat Nabi Karim. Mon peut demander par wasilat si pas telles affaires. Alors, il y a deux qualités wasilat. Un qui est permissible et un qui n'est pas permissible. Alors, demande-toi, nous faire droit avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut wasila Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à cause Shifa et Kamil à un tel. Alors, doit pas wasila des bandes. Bon, Jimon, il y a un qui est permissible et il y a un qui n'est pas permissible. Ce qui est permissible là, c'est, numéro un, demande un bon Jimon vivant pour faire droit pour nous. Un bon djimoun vivant, un alim, un djimoun qui a connaissance, un djimoun qui a taqwa Allah, vous allez faire droit pour moi. Ça, hein. Ça lui permissible. Deuxième, demande Allah à travers nous l'amour qui nous est là pour un bon djimoun, ou bien nous l'aide aussi pour qu'il nous fasse apport. Déjà, il y a Allah pour l'amour, pour muhabbat qui nous est là pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi Shifa, donne-moi madame Shifa, donne-moi maman Shifa. Il y a un droit. Pour l'amour qui nous est là pour Rasulullah, pour l'amour qui nous est là pour un sahaba, pour l'amour qui m'a pour un sahabiyat, pour l'amour qui m'a pour un Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, oui, il y a un droit. Bien? Numéro 3. Demande Allah à travers l'amour qu'il y en a pour un pied. Il y a Allah pour l'amour qui t'en a pour Rasulullah, acceptez mon droit. Ça, il y a un droit. Bien? Ça, c'est trois qualités, wasilat qui gagne droit. Ce qui n'est pas permissible, c'est demande Allah pour donner nous une petite chose pour dignité qui va un pied et en a auprès de lui. Ça veut dire, déjà, pour wasilat de Rasulullah. Rasulullah. Ça vient de bida parce qu'il n'est pas supporté par une preuve authentique et parce qu'il dignité n'importe qui s'en là il n'est pas capable oblige Allah pour faire un petite chose. Et un djimoun qui mort, nous pas demande droit par ce wasilat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y en a takbir dans ce sujoud al-shukr et sijda tilawat? Clair? Alors, est-ce qu'il y en a pour faire takbir dans sajda sahou et sajda tilawat? Alors, sajda shukr nous fait lire en dehors salat, sajda tilawat nous fait lire dans salat et en dehors salat. Si sajda tilawat est dans salat, nous fait takbir nous aller. Nous fait takbir nous relever. Là, nous fait cause en dehors salat. Alors, l'opinion plus faux là-dedans, sajda shukr et tilawat en dehors salat, clair, n'est pas obligatoire pour faire takbir ni dans ce commencement ni dans ce la fin. Claire, pena tachahoud, pena salam. Il y a du monde qui fait sada tilawat, qui peut lire Quran en dehors salat. Claire, les débouté. Les djibout vers Qibla. L'air, il fait Allahu Akbar, il y a dans sada. Ensuite, il y a assisé, il fait un petit tachahoud, il fait salam. Ça, c'est bida, ça. Pas existé, ça. Puis, il n'y a aucune preuve. Jamais nous finissons. Rasulullah, in India, nous fait sada tilawat dans sa façon. Même si da shukr. C'est lui qui en a fait sada shukr. Il remercie Allah pour une bonne faveur qu'elle a fait nourrir, les djibout vers Qibla. Claire, il a fait takbir tout, Allahu Akbar, là, il y a dans sajda. Claire, tout ça là, il n'est pas correct, pas existé, ça manque quelque chose. Donc, il n'est pas obligatoire, claire, comme on va dire,
Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit lis pas les itim pour faire sajda pour saban sujud là nous fait tashahhud nous fait salam c'est bid'a et lis pas permissible pour faire ça et il dit encore Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah concernant sajda tilawat et sajda shukr lis pas fin rapporté depuis personne depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni depuis man sahaba qui ont fait salam ni Zofin fait salam et comment les rapporter par Imam Ahmad ibn Hanbal encore et encore ban ulama qui nous pas qu'on fait salam là-dedans et ni takbir aussi ni takbir dans sa man qui chose si quelqu'un fin dire nous fait takbir nous fait salam c'est analogie ça je ne fais juste qiyas clair alors ce n'est pas aucune preuve qu'ils aient fait takbir donc la position qui nous était apporte salat nous fait takbir nous allez là nous fait cause en dehors salat sajda tilawat la position qui nous était pas nécessaire qibla pas nécessaire wudu, pas nécessaire faire takbir, pina pour faire sa manza fala, direct nous allons le faire, sajda tilawat, nous tombons dans sajda tilawat. Et shukr. Question numéro 13, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y en a droit faire tahajjud si un djimoun infini fait 8 heures? C'est-à-dire un djimoun commence par la nuit, l'infini fait 8 heures. Ensuite, l'inlevé le matin pour faire tahajjud. Est-ce qu'il y a un droit? Alors, premièrement, connaît qu'il est permissible de faire salat ou l'huit, n'importe qui l'est dans la nuit. C'est la première petite chose. N'importe qui l'est dans la nuit, il est permissible pour faire namaz 8 heures après namaz Isha. Apporté par Aisha, il dit dans chaque partie de la nuit, Rasulullah finit déjà faire salat 8 au commencement, au milieu et la fin. Dans le commencement de la nuit, au milieu de la nuit et la fin. Mais finalement, les prophètes, tu peux faire ce 8 les sahar, 10 avant Fajr. Mais ce dernier jour, Rasulullah, tu peux faire salat ou l'huit, dernier l'air le matin. Deuxièmement, qui est le meilleur pour faire salat ou l'huit? Donc, dans le premier commencement, premier tiers de la nuit, deuxième tiers, troisième tiers, tout est permissible pour faire namaz 8 heures. Un hadith clair dans le Sahih Muslim. Mais deuxième question qu'il nous posait, qui est le meilleur pour faire salat ou l'huit? Celui qui a l'intention pour lever avant Fajr, le meilleur qu'il retarde ce salat ou l'huit pour dernier l'air. C'est un djimoun, il a l'habitude de lever. Il a l'intention de lever. Il connaît le pour lever. Pour namaz, tahajjud, il retarde sur 8 heures pour d'un lire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui paye attention, il n'est pas pour lever dans la dernière partie de la nuit, qu'il y fait sur 8 heures dans le commencement de la nuit. Celui qui a désir pour lever dans la dernière partie de la nuit, qu'il y fait sur 8 heures dans la dernière partie de la nuit, quand soit là dans la dernière partie de la nuit, il témoigne par un ange et s'alimer hier. Et ça l'imagine. Troisièmement, celui qui finit faire ce salat ou l'huître avant y'a le dormi. Celui qui finit faire ce salat ou l'huître avant y'a le dormi. Et ensuite, ce sommeil finit casser le matin. Dans l'air, tahajjud. Dans le dernier tiers de la nuit. Il y a un droit levé faire qiyam, al-layl, sans qu'il y commence un rakat séparé pour lui faire ce salat ou l'huître qu'il y fait à soir, vin, pire. Créer. Alors, rapporté par Abu Atiyya, il dit, quelqu'un fait une demande à Aïcha concernant une personne qui fait une fière sur la toluitre. Ensuite, à soi, après Aïcha, il fait une aldomi. Ensuite, il levé et il ajoute un rakat avec ce huit qu'il fait une fière. Aïcha fait dire, c'est un quelqu'un qui peut jouer avec ce huit. Allez. Alors, c'est là du monde penser, quand il fait une fière huit, il n'est pas capable de faire un tahajjud. Qu'il fait? Il fait un rakat, un seul rakat. Un seul rakat, il ajoute lui dans un huit là. Il fait l'imine pire. Là, il fait tahajjud. Aïcha dit, il peut jouer avec namaz 8 heures, ça. Si nous finissons faire namaz 8 heures, nous gagnons le droit de faire namaz tahajjud. Mais c'est pas nous pas gagnons le droit de faire une deuxième 8 heures après tahajjud. Alors, si il n'a aucun problème. Comme Ammar dit, quant à moi, je fais 8 avant moi le domi. Et si je me lève, je fais 2 rakats, 2 rakats, et je quitte mon 8 heures qui m'utilise à faire l'imine comme alliété. C'est-à-dire, je ne peux pas faire 8. Mais là-dedans, il y a une preuve qu'il n'a pas permissibilité de faire namaz tahajjud, même si je finis faire 8 au commencement. La nuit. Donc, mon résumé nous dit, pays n'a aucun problème dans un djimoun. Il finit faire namaz 8 heures. Ensuite, il récite les grands matins et il peut décider pour faire tahajjud, il fait ce tahajjud. Pays n'a aucun problème là-dedans. Pays n'a aucun tahajjud. Pays n'a aucun problème là-dedans. Question numéro 14. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de jeunes garçons peuvent garder longs cheveux. Beaucoup de jeunes garçons peuvent garder longs cheveux.
Et n'a parfois pu ressembler madame. Si tant de cheve fin vin long. Est-ce qu'il y a une sunna shariat pareil comme à la barbe? C'est-à-dire god long cheve. Est-ce qu'il y a une shariat ça? Il y a une sunna ça pareil comme à un monsieur god la barbe? Alors, rapportez par Al-Bara ibn Azib lui dire, Rasulullah se cheve pas ti frissé et non plus ti plate droite. L'iti en longueur, l'iti entre frissé et plate. Il pas ti frissé ni l'iti plate, l'iti entre. L'iti en longueur juste. Distance entre ce deux épaules qui assez large. C'est-à-dire, le mot, distance entre ce deux épaules qui assez large. Ce CV qui t'y peut tomber par derrière, sur la tête, t'y beaucoup, et lui t'y peut arrive jusqu'à l'aube oreille. Alhamdulillah, nous gagnons réponse. Alors, tant qu'apparemment, nous gardons l'aube oreille. Hadith, sur le sahih, un muslim. Rapporté par Al-Bara, il dit, ce CV qui peut tous se deux épaules. Ça, dans l'autre hadith, il se marie contre ce deux épaules. Donc, nous avons ça des limites, là. Soit contre l'aube oreille, soit contre les épaules. Clair? À ça, c'est lui qui va dire la caisse, c'est val. Là, il n'est pas correct. Parce que là, il peut ressembler madame. Ou soit, il peut battre côte là, ensemble. Il n'est pas correct. Parce qu'il peut ressembler madame. Alors, d'après ça, des hadiths, ça, nous trouvons pas que Rasulullah se servait de longues jusqu'à les épaules. Jusqu'à les épaules. C'est lui qui, sincèrement, il peut garder ce cheveu long afin qu'il imite les prophètes. Puis, il n'a doute qui c'est un bon qui chose, Inch'Allah, il pourrait être récompensé. Mais c'est lui qui peut faire lui seulement comme un lamotte, ou bien imitation de kit footballeur. Clair? Avec ce petit barret tout là, hein? La caisse val, ou soit acteur, etc. Ou bien pour ban les autres raisons. Parce que sur 75, il y a lui, mon contact au God Long CV. La ligne God Long CV à cause ça. Clair? Alors, l'IP n'a aucune récompense à gagner. Au contraire, il peut gagner péché. S'il peut garder ce CV long pour imiter certaines couffards, ou soit pour faire plaisir 35, ou soit fiancé, il y a dit, mon content de garder ce CV long. Il n'y a pas de dire, garde ce CV à cause de sunnat Rasulullah. Il fait moi plaisir. Ça non. Ensuite, si ce CV-là, plus, il y a une longueur plus qu'il besoin, il peut dépasser les épaules, alors dans sa cas-là, il est haram. Alors, nous dit, si un garçon, ce CV, puis dépasse ses épaules, ça, il est haram. Alors, ça indique, car Rasulullah se servait pas type dépasse ses épaules. Alors ça indique limite qui est un garçon, un monsieur qui a un droit de garder ses épaules. Deuxièmement, c'est ressemblance à une madame. S'il peut dépasse ses épaules, il peut ressembler madame. Car c'est une madame qui se servait dépasse ses épaules, alors c'est haram dans sa façon. Question numéro 15, avant les questions pour ce soir. Comme suit. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de coupe CV quand un dimoun qui pratique goun? Est-ce qu'il y a un droit de taille CV? En deux mots, est-ce qu'il y a un droit à quand un coiffeur qui pratique goun? Goun nous connaît très bien. C'est un événement qui va nous célébrer à l'occasion du mois Muharram. Et nous va pas rentrer dans les détails. Nous tout connaît Ramsey, goun, qui veut dire ça. Il comment dire, ça, il ressemblait à Kavedi. Et avec ce bande décoration, je tape tambour, tape morfa, etc., etc., le chemin, santé, danser, pique couteau, pique zégouille, pique l'épée, etc. Alors, est-ce qu'il y a un droit de taille cheveux quand c'est qu'à l'édimoun? Alors, normalement, nous attirons l'attention, ban qui pratique goun, c'est ban rafida, ban shia, et majorité parmi ban shia, ban rafida, ban ulama, ils ont pas ban musulmans, c'est ban kuffar. Faites très attention. Alors, est-ce qu'il y a un droit à taille cheve quand un coiffeur kafir? Et s'il y a un qui pratique goun? Alors, ce qui nous faisait comprendre, c'est que l'islam fin permet de retenir service d'un koufar ou pas. Moi, j'ai un droit à retenir service d'un koufar. Par exemple, moi, mon emploi, un dimoun pour travailler contre moi, il y a un kafir, un non-musulman, comme souffrir, comme travailler, comme jardinier. Moi, j'ai un droit? Oui, moi, j'ai un droit. Moi, j'ai un droit. Concernant dunia, moi, j'ai un droit. Faire commerce pour construire un bâtiment, un docteur, un ingénieur, pour, kafir, pour le design, un architecte, gain droit, oui, gain droit. À côté, par Aïcha, il dit, Rasulullah, tu as cité nourriture avec juif, le crédit, et il fait mettre son bouclier en gaz. À côté, par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah, fin intiqal, et son bouclier, tient en gaz, pour 20 soirs, de nourriture qu'il y prend pour sa famille. Donc, les prophètes, lui-même, il fait faire commerce avec un kafir, et tous les temps, ban musulman fin fait li. Donc, quand il dit faire commerce avec un kafir, moi, le retenir service un kafir, c'est un commerce. Commerce, c'est acheter, vendre. À dire, moi, acheter service en donnant une somme d'argent
Ou soit me vendre un service, un produit en prenant une somme d'argent. Et là, qui m'ont fait mon asti service de sa quoi faire là, et il me donne un service par time ou CV. Donc, il y a un droit, il n'y a aucun problème. Et bien, Mouflih, il dit, Cheikh Taqiyuddin, il dit, si un juif ou bien un nazaréen, un chrétien, il est bien informé dans la médecine, et nous considère comme une personne digne de confiance, il est permissible de demander pour traiter nous. Cheikh Mohamed ibn Salah al-Uthaymin dit, si ban dimoun pe bizin ban la, ban médecin koufar, et je senti je en sécurité contre ban la, alors pas il n'a aucun problème si elle fait traitement contre ban la, parce que le prophète s'est servi un mouchrik comme guide depuis Makkah pour montrer les chemins pour amener Medina quand il fait hijra. Alors ce moment qu'il fait hijra, nous comprenons par ça qu'à la base, retenir service des ban koufar, des ban non-musulmans, pour ban quitte chose, dunyawi. Il est permissible. Je ne peux pas prendre le couffard, je viens de Nazan. Alors, nous sommes nos frères occupés, mais ils viennent de Nazan contre nous. Nous payons toi. Non, nous ne gagnons pas. Pour un service de Dunia, oui, nous gagnons. Alors, si tu as un CV, quand tu as un coiffeur kafir, définitivement, tu gagnes. Ou bien un qui pratique Goun, définitivement, tu gagnes. Il est permissible. Mais, même qu'il est permissible, je ne peux pas croire qu'il m'a dit, mon coiffeur musulman, mon service qui est musulman capable de donner, je ne pense pas manquer. Alors, mais il y a le code ban musulman. Ce qui est meilleur, c'est faire préférence à sa frère musulman. Là, si moi, nous avons un choix, un frère musulman, par exemple, nous avons un enfant free musulman et nous avons un enfant free kafir. Nous donnons préférence à frère musulman. Là. Excepté comme un cher Saleh al-Uthaymin, Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin et cher Farzan de dire si ça musulman là, il est malhonnête. Par exemple, mon démence en légumes contre moi. Un non-musulman, un musulman. Clair? Sa musulman là, il va en chier. Sa non-musulman là, il va en commencer. Mal contre mon non-musulman là. Clair? Moi, je suppose que je donne les préférences, mais c'est moi, c'est lui qui va en chier. Puis cela, il triche, il balance, il coquin, il malhonnête, il vole. Mal contre sa non-musulman là, parce que ça me hack ça. Clair? Il n'y a pas de droit pour me hack. Donc, c'est une justification pour abandonner son frère musulman, pour ne pas prendre aucun service avec lui, pour ne pas assister en rien avec lui. Il y a une justification islamique, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il y a un droit à l'impôt de côté, ça lui a envie. Mais nous donnons préférence de mon frère musulman, si vous êtes honnête, vous n'êtes pas vous êtes sincère, dans votre commerce. Question numéro 16, et dernière question pour ce soir. Et c'est une photo qui a un frère fait avant nous, il dit assalamu alaikum. Il y a une photo qui peut circuler. Et sur référence qui cause le rase la barbe. Alors, sa photo là, avec moi, le mot laptop devant moi. Alors, moi, pour décrire la photo là. Photo là, il y a un démiché là-dedans. Il y a un démiché. Un lap, il y a la barbe. Et un là, il y a la barbe. Clair? Ensuite, il y a une question, la photo là, une postière, ça veut dire, brother, is shaving the beard is allowed. Est-ce qu'il rase la barbe, les PMC? Là, ça dit, moun qui répond à sa question là, il met sa deux photos là, l'eau sa postière là, un qui pina la barbe, un qui n'a qui la barbe. Il dit, oui, brother, rase la barbe, les PMC, et il recommande. Imam Nawawi dit, si un madame sur la barbe poussée, il recommande pour raser. Astaghfirullah. Oui, brother, rase la barbe, is allowed, il est permissible. Ensuite, il dit, même lui recommander, parce que Imam Nawawi fin dire, clair, Imam Nawawi fin dire, si un madame, sur la barbe, in poussé, lui recommander pour un madame rase la barbe. Là, nous dit, sa frère qui peut propager sa fatwa là, nous dit, si toi une madame, tu rases la barbe si la barbe est poussée. Oui, ben imam, il dit qu'il y a un roi rase la barbe. Ben imam, il dit qu'il y a un roi rase la barbe. Parmi imam, non, oui. Mais soyez ça, quelqu'un appelle ça. Malhonnêteté intellectuelle appelle ça. Faites très attention. Pas propage fausse connaissance comme ça. Imam, non, oui, il dit, écoutez. Si nous avons sa parole là, dans Sahih Muslim, parce qu'en bas, il écrit, Shar Sahih Muslim. Comme référence, Gaïroa Razaba, oui, Gaïroa, Imam Muslim, India, Imam Nawawi, India, si une madame sur la barbe poussée, Gaïroa Razi. Clair? Alors, si vous faites une route sa parole là dans Sahih Muslim, ou pas pour gagner lui. Quand il est dans Shar Sahih Muslim, dans l'explication Sahih Muslim,
l'imam al-Nawawi, comme il mentionnait le futula. Parole là, il est comme suite. Imam al-Nawawi, il dit, « Iza nabata lil mar'ati lihyatun, fa yustahabbu laha halquha. » Si là-bas, poussé l'eau en madame, alors il recommandait les rasli. Donc, ce qui peut faire comprendre dans sa photo là, c'est ce qui c'est seulement une madame qui a en droit rase la barbe. Si c'est la barbe une poussée, parce que madame, normalement, n'est pas gagné la barbe. Mais si arrivé par défaut, par un problème, comment je t'appelle ça, hormonal. Claire, par un problème hormonal. Claire, votre masculinité, masculinité domine votre féminité. Et la madame, comme ça, masculinité domine son féminité. Ou tout, sur la voix comme un zoom, la fois. Sur la voix comme un michier. Il y a un poil dans son main, dans son avant-bras, dans son pied. Le seul tibia, comme un michier. Alors, ça, il y a un droit rasé. Parce qu'il est l'origine, une madame, pas gagne la barbe, pas gagne poil comme ça. Alors, quand un michier, il est haram pour les rases la barbe. Oui, il est haram. Rapporté par Abdullah ibn Omar, il dit, Rasulullah fin odun pour taille moustache courte et pour garde la barbe. Rasulullah fin dit encore dans Sahih Bukhari, contredit avant mouchrik, quitte la barbe et taille zot moustache courte. Ban ulama qui saisit dans le comité fatwa se dit, rase la barbe, li haram. C'est lui qui vient faire ça, il y a une fasiq, il y a une pervers. Cheikh Ibn Uba li dit, quand tu rase la barbe, mou pas qu'une personne parmi man savant. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, pina aucun, c'est tout ça, quatre imams là, qui fin dit, li permissible pour rase la barbe. Cheikh Ibn Uba li dit, rase la barbe, li haram, et taille aussi li haram. Taille la barbe, comment il a taillé, collé comme ça, les haram, peu importe qui s'en allient, les saoudiens, les kouétiens, les égyptiens, les omanais, les yéménites, les mauriciens, les rodriguais, les cécélois, les musulmans, taille la barbe, rase la barbe, les restes haram, peu importe, les rois taille la barbe, prince taille la barbe, peu importe qui s'en allient, les haram, pour rase la barbe, pour taille la barbe, parce que nous rassoul, il dit les haram. Nous rassoul, il dit les haram. Donc, parce qu'il y a une fatwa et tirer li en dehors de ce contexte. Imam Nawawi, c'est qu'il y a 100% raison. Mais au frère, il n'y a pas de dire ça pour toi. Il n'y a pas pour ton soeur. Si ton soeur gagne la barbe, il rase la barbe. Toi, tu pas rase la barbe. Toi, tu es un petit garçon, toi. Hein? Comporte-toi comme un petit garçon. Alors, ben, petit fille, qui se ressemble à un petit garçon. Ben là, ils ont comporté comme petit fille, pas rase la barbe. Si arrivé la barbe, fin poussé dans notre figure. Voilà, ça c'est parole de l'imam al-Nawawi, basant le hadith qu'il finit expliquer, il dit, quand il peut expliquer le hadith que les boys peuvent dire, quitte la barbe, para la barbe, taille moustache, les là, de ban, pas même un masala qu'il a mentionné, si arrivé un madame gay la barbe, comme un miché, lui PMIC pour lui, au contraire, lui recommander, pour lui qui recommander, pour rase la barbe, pas pour un miché. Alors, c'est pas un dimon qui sert, il va une fatwa pareil, tiens, lui, en dehors de ce contexte, c'est man qui suit votre passion, c'est man qui, comment dire, allergique à la barbe, se trouve autre vilain avec la barbe, mais connaît un parmi man qui chose qui tu peux prouver, manhood de Rasulullah, comme Aïcha radiallahu anha dire, qui chose qui multiplie content dans mon miché, c'est sur la barbe, qui chose qui multiplie content, et il suffit qu'il la barbe, qu'il au figuier de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il amour pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous causer, si, comment dire, grammaté tantôt, mon prend mon rasoir, mon resfité même, hein, le roscaris, par contre, mon fitli, ensuite, mon passé grand matin tantôt. Qui l'amour, mon peut dire, mon peut proclamer pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui m'a dit, c'est qui est plus drôle encore. Aujourd'hui, le problème, c'est nous, ban imam même, nous, ban da'i, certains, ban da'i, ban imam même, pas quitte la barbe, ou soit taille la barbe. Alors, ban dimoun, prends autre comme ban l'exemple. Alors, certains, ban ulama dit, la honte de sa qualité imam là. La honte de sa qualité imam, sa qualité khatib là, qui grand matin, avant lui, n'a pas d'jumma, quand il fait roussel d'jumma, il taille sur la barbe, ou soit il rase sur la barbe. Ensuite, quand il monte le mimbar, il dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rajidin. Trap sunna de Rasulullah faux, mais qui sunna lui peut causer? Alors, ça, c'est l'hypocrisie, ça. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, un zom, il garde la barbe. Madame qui rase la barbe. Zom, il quitte la barbe. Madame qui rase la barbe. Madame qui est, qui tient moustache. Madame qui rase moustache et rase la barbe et ban cheve. L'osoleko, pas ban miché. Voilà, ça c'est nos 16 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit et donne nous la compréhension de ce qui nous finit écouter de, comme réponse à sa ban question là. Nous réitérer, nous l'appel, nous dire, question ne pas prendre le commerce, question, bien envoie le limoro ifta 5 762 42 13. Alors, je comprends, il y a un frère qui est sur WhatsApp, je comprends,
malgré qu'il nous dit avoir le WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, ça, et n'a avoir le message normal. Et Alhamdulillah, nous comprend. Nous comprend, nous fait un laisser-aller, nous prend man question le message normal. Si vous avez un message normal par WhatsApp, nous prend. Mais le messenger, non. Tant qu'on ne parle pas le messenger, pas avoir message, question le messenger. L'homme messenger, ou soit messenger al-Huda, je ne connais pas, je ne pas responsable messenger al-Huda, je responsable, c'est le numéro là. 5-7-6-D-42-13. Si vous question atterrir là, il parle le bout ifta. Si vous question fin atterrir, l'autre lapis, autre que lapis bout ifta, 5-6-D-42-13, ou al rodli ailleurs là-bas. Clair? Ou al rodli là-bas, ou al deal avec sa place que tu viens envoyer là. Moi, ici, nous recevons la question le 5-7-6-D-42-13, d'un créole bien explicite et simple. Écrit simple, simplifiez-le, et soyez bien explicite dans cette question, afin qu'il ne soit pas capable de nous gagner facilité pour. Pour comprendre la question là, que Allah Rabbul Alamin nous donne toute la compréhension et les récompenses pour votre coopération et votre patience. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.